Beta. Vite, les garçons, vite! Votre père est tout seul, fait le train, là! Tira, c'est l'heure du train, là! Dépêche-toi de mettre la table, hein? Tu où es-tu arrivé? Mais non. J'attendais hier soir, il a dû manquer son autobus. Je suppose qu'on va le voir arriver ce matin. J'ai rêvé à lui. J'ai rêvé qu'il était reçu prêtre et qu'il venait faire le catéchisme à l'école. C'est drôle. Marcel et Mariette étaient assis à côté de moi sur le banc. Ouais, ben Marcel est à Saint-Isidore et Mariette à Montréal. Ça fait qu'il n'y a rien pour t'exciter. Dépêche-toi, hein? Va manger, va donc. L'hôtel était plein de voyageurs de commerce. Ça parlait, ça parlait. Des vraies bonnes femmes. Je gâche que c'est la poupoule qui s'est levée la première un matin. Je gâche que c'est elle qui a mis le café au feu. Hein, poupoule? Pas de Saint-Danger. Ça a dû être bien dur de se lever. Je l'ai entendu rêver à Coco Marcou toute la nuit. C'est pas vrai, tu m'as pas entendu. Même tu fais des yeux de chien malade à Josette, je suis pas obligée d'aimer son frère, moi. Restez tranquille, les enfants. Savez-vous comment ils nous appellent, les voyageurs de commerce? Les colons de Saint-en-Arrière. Faut faire des bouches, je vais vous peigner. Tu trouves que je suis pas beau de même? Si j'avais épousé une femme de même, j'aurais pas eu tant besoin de me désarmer. J'en avais plus que t'étais capable d'en prendre. T'as dispensé deux fois avant de t'en venir par ici. Ah, il faut vous donner ça.
Après l'Acadie, il n'y a pas mieux que vous autres. On vit peut-être à Saint-en-Arrière, comme disaient tes voyageurs, Tira. Mais n'empêche qu'il est difficile de trouver des créatures aussi belles que par-ici. C'est de la pure jarniguane. Ça n'a pas 12 ans, puis s'écrase terriblement. Mais ça fait des femmes dépareillées. Part de ça, qu'est-ce que vous faisiez à l'hôtel, vous autres, hier soir, tous les deux? C'est vous qui nous avez envoyé chercher des timbres. Le bureau de poste était fermé. Ben, fallu aller à l'hôtel. Quand je vous ai envoyé, c'était encore l'heure du bureau de poste. Que je vous reprenne pas à jeûner à l'hôtel. Parce que vous aurez affaire à moi. Voyez-vous, Kiki, répétira. Faut pas essayer d'expliquer aux gens de la ville ce que c'est qu'être un habitant. L'ouvrier de la ville, qui a de l'argent dans ses poches, il s'imagine être bien riche. Mais à la fin de la bauche, il vaut pas plus que nous. Il a pas une cope à lui. Faudrait pas essayer de compter ça à Marcel. Marcel, il se plaint bien. Mais n'empêche qu'il peut se compter plus chanceux habitant à Saint-Isidore que s'il se promenait en ville dans un gros char. Pour toi, le bonheur, c'est un quatre roues avec la grise qui lève la queue. Ça nous prendrait un tracteur. Avant de penser d'acheter un tracteur, on va commencer par se loger de grange. Quand je vois ce vieil affaire-là, moi, je me dis que les touristes en passant ici doivent dire « Coudonc, c'est des colons qui restent là? » S'ils savaient que les gens de par ici appellent ça le Pérou, ils riraient bien de nous autres. Comment ça se fait, mon père, que la ferme s'appelle le Pérou? T'avais un grand-père, ma poupoule, qui aimait ça faire son frais au village. Quand il est arrivé d'Acadie avec sa famille, il avait quelques cents dans ses poches puis il fallait qu'il fasse sonner. Ça fait que les gens de ce temps-là avaient pris l'habitude de dire que celui-là y arrivait du Pérou. Le nom est resté. Qu'est-ce que c'est ça, le Pérou? T'as pas étudié ta géographie, niaiseuse? C'est une place qui a beaucoup d'or. Critiquez pas notre poupoule. C'est elle qui s'est levée la première un matin, puis je gage que c'est elle qui fera la meilleure journée. Oui. Elle va danser à la corde jusqu'au souper. C'est que vous allez travailler un matin, Gervais? Je crois bien qu'il reste plus rien que la pièce à côté du petit bois. Allez, dis-vous-en, le train ne se fera pas tout seul. Non, ma poupoule. Il faut croire que ton frais, c'est un sans génie, est encore bloqué. Combien t'as eu? 58%. Tu vas-tu faire la prête quand même, Théo? Je sais plus, là. Moi, j'ai rien que c'est toujours avec nous autres. C'est peut-être ça qui va arriver. Bon, ma poupoule, il me semblait que je t'avais dit d'aller jouer dehors. Je m'ennuie tout seul, là. Va voir, j'ai les culs cousus. Les petits doivent bien jouer dehors, vous autres aussi. L'abbé Morin n'a rien dit. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? C'est simple, si je veux avoir mon bac, il faut que je reprenne mon année. On est payé jusqu'à aujourd'hui, on devrait bien être capable de payer Brenantus. Le père comptait sur cet argent-là pour acheter le tracteur des garçons. Ah, ton père n'a jamais songé sérieusement au tracteur. Il dit que la dalle est trop petite. Ça aurait valu la peine seulement si on avait acheté le bien du jeune Ryu. Ryu veut vendre? Ben, il a hypothéqué sa terre pour mécaniser. Il peut plus rencontrer ses dettes. Ça ferait un beau bien acheté pour le père qui va installer Kiki et Tira cette année. Oh, c'est pas qu'on n'y a pas pensé. Mais Ryu demanderait trop cher. Non, si on achète, ce sera à Saint-Isidore, comme pour Marcel. Saint-Isidore? Si Kiki veut faire un habitant et qu'il faut une terre, il va être aussi bien Saint-Isidore qu'ici. Mais il a pas dit son dernier mot, Kiki. Quand il a travaillé sur le bulldozer l'année passée, il a trouvé ça bien à sa main. Peut-être qu'il va aimer mieux faire un ouvrier. Père doit jongler? Ah, ben lui, hein. Faudrait que tout le monde soit cultivateur pour lui faire plaisir. Pour le tirage du pas, il est sans dessin, ce pauvre enfant. Si on le garde pas au Pérou, lui, il pourra jamais gagner sa vie. Mais Kiki? En tout cas, le père en a bien assez sur les bras comme ça sans recommencer à payer notre année de collège. Tira puis Kiki aimerait mieux se priver que de devoir abandonner tes études.
Pensez-vous qu'il fait beau aujourd'hui, hein? Tiens, voilà une auto qui tourne ici. La foi du bon Dieu, on dirait que c'est Marcel. Il faut vendre. J'ai vendu ma blonde. Dis-moi ça, même chose. Regardez-moi ça, le beau bazou où votre fils est acheté. T'as pêché ça? Ah, au garage, la puce mouillée. Il me l'a laissé pour une chanson. Mais qu'est-ce que tu fais ici, toi? Je te pensais d'un récolte par-dessus la tête à Saint-Isidore. Ah, oh, les récoltes, les récoltes. J'ai décidé que j'avais fini de me faire mourir sur ma terre. Change tout. Je me lance dans l'élevage du bétail de race. Je suis venu m'acheter un bœuf. Tu m'as pas dit comment sont les petits? Ah, il m'en va plein nez, mais ils sont bien. Ça va prendre du capital à faire le même. Les chantiers sont là pour tout le monde, on n'a rien qu'à en profiter. Tiens, si tu y allais, toi, au chantier, ça te ferait peut-être du bien. Tu perdrais ton air de chandelle mal éteinte. Les études, ça t'a quasiment défuntisé. Un vrai crise d'étain. Le père est au champ? Oui, il achève dans la pièce du petit bois. Je vais aller le trouver. C'est nerveux, mon tira. Il me disait aussi que les nonos qui peuvent bien conduire. Vous avez achevé la récolte? La dernière pièce. Il paraît que c'est à toi que le père va donner le pérou. Ce qu'il a dit au printemps. Force pas bien gros pour un héritier. Laisse tout faire ton ouvrage, père Tikiki. J'en ai fait plus que ma part. Ah, on peut bien dire ça. Le grain est beau. Pas de valeur cultiver une terre comme ça. T'avais rien qu'à rester. Une perte t'as l'air à donner. Ouais, je serais pas resté pour 1 million. Attendre 10, peut-être 15 ans avant d'être bourgeois chez moi. Non, monsieur. La bonne femme serait chicanée avec la mère. Je vois ça d'ici. Valait mieux prendre mon petit lot à Saint-Isidore. C'était quasiment rien qu'une terre à colons. Mais au moins, on était chez nous. As-tu vu mon Cadillac? C'est ça qu'on devrait faire, nous autres aussi. S'acheter un vieux bazou à 100$, puis le changer pour un tracteur. Les compagnies donnent des bons prix de retour aujourd'hui. Bon, faut que j'aille voir Rochefort. Attends-moi, je vais y aller avec toi. Tu devrais pas parler de même devant les enfants. Si t'as de la misère, dis-nous-les à nous autres. Tu devrais bien savoir qu'il vaut mieux que ton père il demande pas de faveur. Je voulais rien que le père dise un mot pour moi. Combien qu'il te manque pour ton but? Je veux pas que vous me donnez de l'argent, le père. Je voulais seulement... Ta mère a raison. J'aime autant pas demander de faveur. À part de ça que... pour un but, ça m'étonnerait. Bon, pensez-y plus d'abord. Je voulais rien que demander. Si la patate avait été meilleure cette année, si on avait pu s'organiser comme M. Comtois de l'UCC voulait, je dis pas. Pensez-y plus. Je me croyais parce qu'il faut que j'arrête à la puce mouillée avant de retourner. Tu devrais nous amener les petits maintenant que vous avez un char. Tu salueras la Raymonde pour nous autres. C'est ça. Vas-tu repasser avant de partir? Je sais pas si je vais avoir le temps. Bon, mais bonjour et merci. Je sais pas ce que tu y trouves de bois, mon frère. Oui, il m'excite pas en tout. Je suis pas venu pour lui, j'avais besoin d'une recette. Je vais en demander une à ta mère. C'est drôle, la vie, hein?
T'aimes-tu ça tenir maison? Oui. Aussitôt que la mère va prendre du mieux, c'est elle qui va avoir la tâche. Ça l'a pris bien subitement? J'ai toujours comme ça, une mal dans le corps. Mon père, moi aussi, a une mal dans le corps. Maman a dit que c'est l'estomac. Ton père, t'as pas de valeur. Il y a des garçons pour l'aider. Moi, la mère a rien que moi. T'es chanceuse, par exemple, si ça t'occupe. Mmh. Si ma mère était pas malade, j'irais faire la classe. Tu ferais la classe, toi? Ben, qu'est-ce que t'as à faire? Toutes les paroisses en arrière, ils demandent des institutrices. T'as fini ta 10e année juste l'an dernier. Si j'avais voulu, je serais allée. Mais papa va pas. Il dit que maman a besoin de moi. Pourquoi qu'ils prennent pas des filles de par là-bas? Je sais pas. Pourquoi qu'ils veulent pas rester? Ce gars-là, il faudrait 30 piastres. 30 piastres? Mon char a cassé dans la cour de Sainte-Lucie. J'ai pris un taxi pour venir jusqu'ici. Tu peux aller chercher ailleurs tes 30 piastres. Attendez un peu. Quand tu voudras faire tes folies, il faudrait que tu t'arranges pour que ce soit pas nous autres qui payent pour. Laisse-les tranquilles. Raymond puis les enfants sont partis. Tu vas pas rester à Saint-Isidore tout seul. Comment ça, Raymond et les enfants sont partis? Il dit que quand il est arrivé à Saint-Isidore, après-midi, il a trouvé la maison vide. La voisine, il a dit que sa femme avait pris les enfants et qu'elle était partie avec. Il a dû être allé broyer chez son père, encore une fois. Il me semblait que vous alliez voir la télévision chez Marco, vous autres. Oui, mais... Ben, allez-y, que je vous vois plus. La garce. Je t'avais dit de pas s'exciter si je tardais un peu. Un bœuf, ça se trouve pas comme ça. T'as-tu parti depuis longtemps? 2 ou 3 jours. Torvis. Je suis plus capable d'endurer ça. Elle se plaint tout le temps. Les enfants sont mal habillés, je sors trop, je suis trop dur avec les bêtes. Quand c'est pas une affaire, c'est une autre. Marcel, parle pas de même. Tu sais plus ce que tu dis. Laisse-les faire. Pour une fois, on saura ce qu'ils pensent. Ça vous offense, le maître du Pérou, de voir votre fils sous. Mais si vous aviez été à ma place, vous auriez pas fait mieux. Marcel, ton père a toujours fait son devoir envers toi. Ça fait longtemps que je voulais venir ça. J'ai eu beau travailler comme un fou, j'ai pas pu y donner ce qu'elle avait besoin. Oh, je parle pas des folies, là, comme des manteaux de fourrure puis des chevrolets. Non. Rien que les petites choses qui fait qu'on vit pas comme des animaux, j'ai pas pu y donner. L'argent que j'ai fait au chantier, la maudite terre l'a mangé. Elle a rien laissé. Mais c'est pour ça que la Raymond s'est écœurée. En janvier passé, quand j'étais au bois, elle recevait à veiller le garçon du garagiste. Quand je l'ai su, elle m'a dit que c'était pour l'aider à faire le train. Je suis pas pour endurer qu'un gars tourne autour de ma femme. Je vais y enlever les enfants à la garce, puis je vais les mettre en pension. Bon, c'est assez. Théo, amène-le se coucher. Ouais, vous aimez pas ça, vous entendre la vérité. Amène-le se coucher. Hôte-toi de là, toi! Chandelle mal éteinte!
savais que ce mariage-là, ça pouvait pas marcher. Je l'avais dit. C'était pas une fille de par ici. Commence pas à faire la belle-mère, Noëlla. C'est pas si simple que ça. Ben, tu l'as entendu? Oui, je l'ai entendu. Mais essaie d'imaginer ce que t'aurais fait, toi, quand t'étais plus jeune. Si je t'avais laissé tout l'hiver à la maison. Tu te vois, charroyant l'aide de l'étable à la maison, dans la neige, pendant que les petits tout fins seuls auraient ravaudé dans la cuisine avec la vaisselle et les couteaux. Il est couché, il s'est endormi tout de suite. C'est vrai, moi, ce qu'il dit. L'an dernier, quand je suis allé à Saint-Isidore, il n'y avait rien que du griot sur la table. Le matin, le midi puis le soir. Raymond aurait été une scène qu'elle n'aurait pas pu tenir. Moi, au moins, j'aurais pas poussé Marcel à la boisson. Si Marcel se met à boire, il n'y a personne qui peut dire pourquoi. Mais moi, je prends plus de chance. Si Tira et puis Kiki veulent chacun une terre, c'est pas Saint-Isidore qui vont aller la trouver. Pas tant que je serai vivant. On va trouver moyen de les installer par ici, tout ce que c'est rentable. Ou bien, ils s'en iront en ville. T'as vu le notaire, tu sais aussi bien que moi. Ben, Kiki et Tira iront en chantier cet hiver, d'abord. Ils se feront un peu d'argent. Ça aidera à régler le problème. Oui. Pour qu'ils reviennent comme Marcel. S'ils s'exilent, aussi bien quand ils sont garçons. Comme ça, ils ne feront pas souffrir leur femme plus tard. Qui rapporte une coupe de 1000 piastres, et on s'arrangera. Ils n'auront plus à y retourner. Le petit Ryu n'a pas encore trouvé preneur. S'ils partent pour le chantier, tes pères pour le Pérou, ils ne reviendront plus jamais. Pas besoin de ça, je suis pas une douillet. Ça doit être fatigant de passer toutes ces journées assis. Ça me ferait du bien. Quasiment la mi-décembre, pas encore un soupçon de neige. Rien que de pluie. Je me demande ce que la Raymond fait. Mais inquiète-toi pas. Avec ses parents, perçoit l'assistance publique. Mais pas en pleine. Non, mais faut-il être malchanceux? Se casser la jambe juste au moment où le foreman voulait me donner la plus belle coupe du chantier. Et que la Raymond et moi, on était prêts à recommencer à neuf. Quand la malchance... La providence fait rien pour rien. J'espère que ton père n'oubliera pas de penser au bureau de poste. Il doit avoir une lettre des garçons. Ben, Tira et Kiki, ils n'ont pas rien que ça à faire de vous écrire. À part de ça qu'ils vont venir pour Noël. Tiens, peut-être ton père. Le taxi nous a pris seulement son deuxième voyage. Puis fait. Y avait-il une lettre des garçons? Si tu n'as pas de valeur, j'ai oublié de passer au bureau de poste. Fais pas ton vieil acadien, toi. Arrête de me faire m'offrir. Un vieux ricaneux. Ça a l'air que le prix de la patate monte. Napoléon Cucuzu me disait au restaurant en attendant le taxi que le commerçant de la Frenière... Il lui a offert 2 piastres et 25 la poche cette semaine. Et il paraît aussi qu'il y a des camionneurs de Montréal qui essaient d'acheter eux aussi. On n'a pas dormi pendant le serment. Jamais de la vie. Je vous ai vu gagner des clous. Tu te trompes avec Napoléon Cucuzu. Non, non, je vous ai vu. T'as rien vu du tout. La preuve, c'est que le curé a fait un bien beau sermon, puis je me le rappelle tout. Ça devait être beau, en effet. Il a dit que les habitants étaient les rois de la terre. Il a dit que les gens du village, ils devaient lever leur chapeau quand ils nous voyaient passer. Ouais. Pour pas qu'on leur voie la face quand ils rient nous autres.
Ben, demandez à votre mère. Habitant chien d'an, que tu m'y ouvres, là, tu veux passer sans grandir troussé. Votre mère, elle peut bien rire. N'empêche qu'elle a été heureuse avec un habitant. Elle aurait épousé un gars de la ville, puis elle n'aura pas eu plus. J'aurais peut-être pas eu plus. Mais mes garçons n'auraient pas été obligés de s'exiler au fond des bois. Monte pas sur tes grands chevaux, la mère. Ça va leur faire du bien aux garçons. Ça part les yeux candides, puis ça revient en sacrant. Un flacon dans les poches, puis des démangeaisons dans les poings. Si vous voulez les voir s'installer à côté de vous, sur le bien du petit Rio, il faut qu'ils aillent au chantier faire quelques piastres. Oh, toi, Marcel, mêle-toi pas de ça. Quand on ne sait pas mener sa vie, on donne pas de conseils aux autres. Pendant 30 ans, je me suis pas plainte. Tout l'argent que votre père faisait, fallait que ça aille sur la terre. Je me suis pas plainte. J'ai eu ma machine à coudre électrique le printemps passé. 15 ans après que Zéphirine Marcoux a reçu la sienne. Je me suis pas plainte. Tant que c'était moi qui en endurais, je parlais pas. Mais maintenant, s'ils veulent toucher aux garçons... Mais c'est-tu des mauvaises nouvelles que cette lettre-là vous apporte? C'est Tira qui écrit que son foreman y a offert la place de timekeeper s'il promet de rester pour l'été. Et puis c'est ça que vous appelez des mauvaises nouvelles? Si il signe ça, il reviendra plus jamais par ici. Les filles vont l'accrocher. Y a pas de filles dans le bois. Oh, laisse faire, toi, Marcel. Ta mère est pas si folle qu'elle n'a l'air. Non, mais vas-tu rester là de bercer pendant qu'ils nous prennent nos enfants? Qui ça, il? Mais eux autres, toi, eux autres. Le chantier, la terre, pis toi. Tu sais plus ce que tu dis. Ça a l'air d'être bien sec. Ça devrait aller quand même. Penses-tu que tu pourrais l'essayer, celle-là? On devrait. On l'a labouré une couple de fois, mais il faudrait la remuer un peu pour dire que ça fera un bon sable. On peut faire ça. Ouais. Essaye-toi donc. Ça fera un bon sable. Une coupe de labour là-dedans, et la patate va pousser comme rien. Ça fait combien de pièces de terre neuve que vous faites depuis que votre père vous a donné le Pérou? 6. Celle-là, c'est ma dernière. Les prochaines, c'est toi qui les feras. Penses-tu qu'on pourrait le souder? Non, pas dans le tournant du bras comme ça. Ça va prendre un morceau neuf. Tu sais que ça fait une belle avant-midi payante. Ouais, ben c'est fini pour le matin.
Faudrait que j'aille au village ou à la coopérative s'il n'y aura pas un morceau de pain. En tout cas, reviens le plus tôt possible. Allez-vous y payer? Pauvre diable, il y en aura chassé. Il va bien falloir que je lui en fasse au moins la moitié. Il veut toujours vendre sa terre, Rio. Il nous l'a pas dit. Parce qu'on disait à l'automne qu'on pourrait l'acheter. Toi, Kiki, tu pourras prendre la terre à Rio. Et tu iras hériter du bureau. Nomme 15 000 piastres comptant. Avec ce que j'ai à la banque et l'argent que vous avez rapporté des chantiers, et puis le prêt agricole, ça devrait suffire? Puis on n'aura plus une scène pour les semailles. Ah, il y en aura assez pour ça aussi. On a fondé un syndicat spécialisé de la patate cet hiver. Si on réussit à organiser le marché, les agriculteurs de Paris-Cite font de l'argent. Il y aura une bonne vie. Sur une lettre pour moi, là. Ah oui, j'ai oublié de te le dire, elle est sur la tablette du miroir. Là. Mais tu pourrais au moins nous dire si c'est pas des mauvaises nouvelles? C'est la compagnie qui me donne un dernier avertissement, à savoir si je vais aller au chantier d'été. Avec ma job matin. J'avais soif. Gervais, faudrait que tu fasses comprendre à Tira. Un enfant doit travailler sa terre jusqu'à l'âge de 21 ans pour payer son élevage. Tu n'es pas assez grand pour le comprendre tout seul. Il est trop tard. Tu as-tu dit qu'il hériterait du Pérou? Il le sait depuis des années. Gervais, tu pouvais envoyer un des garçons chez Marcou. Faudrait bien leur remettre les bidons qu'on leur a empruntés la semaine dernière. Je vais y aller. Non, j'aimerais mieux qu'on envoie le Kiki. Maman. Laisse faire, j'ai mes raisons. C'est bon. Pas de tiens pour le duc. Qu'est-ce que tu fais par ici? Maman m'a envoyé vous porter vos bidons de lait. Je les ai laissés là. Ah, mais entre, viens dans une minute. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. C'est que le père m'attend pour les labours. Ah, il fera rien de bon aujourd'hui, c'est trop sec. Ah, mais viens jaser une minute, là. Ton galant qui vient de voir. Non, non, je suis venu pour... Ah, t'as pas besoin de rougir comme une tomate. T'aurais dû voir la Rosette prendre le bord de sa dire, t'as vu venir. Je comprends qu'elle t'a pas pour te laisser voir dans cette nuit de semaine. Hein. Elle t'allait se pomponner, se mettre des atours. Tire-toi une chaise. Monsieur Poirier, c'est le fils de Gervais Bolduc. Hey, pas peu, c'est pas un rival. Monsieur Poirier, c'est l'agronome du comté. J'ai déjà rencontré votre père. Monsieur Poirier est venu visiter ma ferme. Tu vas me dire ce que tu penses de ça, tout mon liquide. Monsieur Poirier, ici, là, est en train de me dire que la moitié des terres de Paris-Cite devraient être reboisées, puis le reste devrait être converti en pâtage ou bétail de boucherie. Qu'est-ce que tu penses de ça, Adoué? J'ai déjà entendu parler d'une affaire de même. Mon frère, Marcel, il faisait des plans comme ça pour Saint-Isidore. Ah oui? Ça n'a pas marché. Il veut l'offrir sa terre.
Évidemment, son plan de réaménagement, il était peut-être pas préparé avec suffisamment de soin. Mais voyez-vous, Monsieur Bolduc, à travers toute la province, il nous faut repenser l'agriculture, repenser en fonction des sols, du climat, en fonction des marchés aussi. Ici, dans la région, nous avons un sol à vocation forestière. Ça a l'air que vous gaspillez votre salive, Monsieur Poirier. Parce que le tiki, il n'y a pas le cœur à l'agriculture pour tout de suite. Non, ça m'intéresse. Ouais, ça devrait t'intéresser, ces affaires-là. Toi et les autres comme toi dans la paroisse. Parce que c'est vous autres qui avez fait ce changement-là. Ton pire que moi, on est trop vieux. Là. Mais nous opérons dans une économie industrielle. Ce sont toutes nos habitudes qu'il nous faudra changer si nous voulons que l'agriculture redevienne rentable. Bonjour, Kiki. Ben quoi, regardez-moi pas de même. Tu vas bien? Ça fait longtemps que t'es pas venu nous voir. Qu'est-ce que je voulais, hein? Une affaire pis l'autre. Bon, ben les enfants, là, allez vous compter fleurettes dehors, hein? Nous autres, faut qu'on travaille ici. Quand vous savez tout ce que vous avez à vous dire, ben tu reviendras nous voir. Kiki, M. Poirier aussi, des belles romances à raconter. Ta mère est pas guérie? Non, encore pour 5 ou 6 mois à l'hôpital. C'est toi qui tiens maison? Ben, qu'est-ce que t'as fait? Tu fais bien ça, au moins. Ben, qu'est-ce? C'est parce que je voulais savoir si tu feras une bonne femme d'habitant. Ben, je vais te montrer si je peux en faire une. Hey, le père! Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu par ici, toi. Qu'est-ce que tu veux? Le père est pas de bonne humeur. Non? Pourtant, il est à son meilleur quand il avoue. Pas matin, en tout cas. Rapport à l'aide du chantier, je pense. Il sait que ça me tente d'y retourner. Seulement en colère. Il t'en a parlé? Non, mais je le sais. Il y a bien besoin de vous autres, il est plus jeune. Mais nous autres, on n'est pas pour perdre toutes nos chances. On a notre vie à faire. Ça dépend de ce que tu veux faire. Je pensais que tu voulais prendre le Pérou quand le père va lâcher. C'est une belle vie, mon tyran. C'est pas seul. T'en vas bien aux missions, toi? Je m'en vais pas là-bas pour être bien. Je m'en vais là-bas parce que c'est ta place. Même affaire pour moi. Ma place, c'est pas sur la terre. Y'a personne qui peut décider pour toi, ça c'est sûr. Non, c'est tout décidé. Je retourne au chantier. Le père t'a dit d'aller manger. Descendons pas à midi, y'a pas faim. Oh! Allez donc! Allez donc! Allez donc! Ça vous branlerait un peu de pluie, hein? Ah oui, un peu de pluie. Ça me prendrait aussi un remplaçant. Je vais te parler avec le tira. Il te dit que tu es au chantier. Je pourrais essayer de le tenir. Il n'est pas majeur. Mais je crois bien que ça ne servait à rien. On a un que la terre a perdu pour le bon. Il reste le kiki. Le kiki, il m'a l'air à branler lui aussi. Je croyais bien que Marcel serait content de quitter son trou de Saint-Isidore pour revenir par ici. La dernière fois qu'on l'a vu, il parlait de s'en aller en Abitibi. Autant le Pérou qu'une terre à défricher.
Au collège, il y avait un professeur qui avait coutume de dire « Pour faire de la terre, ça prend 3 générations. Une de bûcheux, une de défricheur, puis une de cultivateur. » Je me demande si Marcel, c'est pas un défricheur. Ça, il prend quelque chose de difficile pour le tenir en place. Penses-tu que c'est une affaire de rien, cultiver le Pérou? Ouais. C'est parce que je suis pas sûr, moi, que le Kiki y apprendrait pas à terre. Kiki, t'as-tu laissé entendre quelque chose? Non, mais il a revu sa Josette un matin, puis il avait l'air bien content. Il a parlé? Ça a l'air. La mère avait organisé ça. Si Kiki voulait apprendre le Pérou, ça trouvait-il lui le plus vaillant? Pour le retenir, ça y prendrait un salaire. Il faudrait que vous lui payiez quelque chose. Comme ça, il y a un plus long quand il amène sa blonde au village. Rencontrer les gens de la ville, pas une goutte de sang dans ses poches, j'ai malaisé de faire le pharaon. Un salaire? Mais comment que tu veux que je lui paye un salaire? Sur la terre, l'argent est long à venir. Tiens, on dirait justement que c'est le Kiki qui revient. Mais il va casser des cieux s'il accroche un fossé. C'est pas nécessaire que ce soit grand-chose. Juste assez pour qu'il sente qu'il gagne sa vie. Ah, je voudrais bien, mais je suis pas capable. La mère fait dire qu'il faut que vous mangiez. Vous apportez un lunch. C'est bien, votre mère. Ça fait les choses en grand. Ben, elle fait dire que si vous mangez pas, vous allez avoir affaire à elle. L'agronome est à chez Marco le matin. Mais dit que par ici, on devra reboiser nos terres, que ça sera plus payant. Ça fait 2 ans qu'il est dans la place. Il pourrait prendre le temps de souffler. J'en ai connu un agronome, moi. Il n'était pas capable de faire la différence entre les fraises et l'herbe à puce. Il dit que par ici, on peut faire 15 piastres à l'acre avec un boisé. Ouais. En attendant, tu crèves de faim. Toi et la génération qui te suit. Pour que ça marche une affaire de même, il faudrait quasiment que le gouvernement vienne se donner une terre de soutien à tous les cultivateurs. Mais ça, c'est pas pour demain. Moi, je pense que ça sert à quelque chose comme ça. Bétail de boucherie, ben, je sais pas quoi. Les gars de l'Ouest, c'est comme ça qu'ils ont fait leur argent. T'es pas obligé de penser comme ton père, mon garçon. Mais avant de commencer à lui faire la leçon, t'attendras d'être maître chez vous. Ah, les labours m'attendent. Te laisse pas rebouter, Kiki. Le père a du souci. C'est bien. Il est peut-être bien poussé un peu fort. Tâche de raccommoder ça, hein. Le père a assez de tourments comme c'est là. Du printemps passé. J'ai fait réparer. Marcel! Toi puis la Raymond, vous avez tellement besoin d'argent. Inquiétez-vous pas, Amir. Stéphane, c'est pas une folie. Le gouvernement a accepté ma demande pour un lot en Abitibi. J'ai coupé toutes mes chaînes avec Saint-Isidore. Viens avec nous autres, poule. On part demain. Ça coûtait moins cher de faire réparer le vieux bazou que de prendre le train avec toute la famille. Puis à part de ça, que là-bas, dans la brousse, un char, c'est quasiment nécessaire. Vous vous en allez en Abitibi? Eh oui! Le père est au champ, mais je vais aller le trouver. Faudrait peut-être lui attendre un peu qu'il est avec le Kiki et puis il peut se passer des choses importantes. Ah. Assieds-toi donc un peu. Tu le verras au souper. Puis raconte-nous ça, comment c'est arrivé, en attendant. La rivière? Elle passait dans la vaissière là-bas autrefois. C'est l'année de ta naissance que je l'ai détournée. Avez-vous creusé tout ça à main? Eh oui. Les bulldozers n'existaient pas dans ce temps-là. Écoute, Kiki. Je suis pas pour vous clémenter pour vous donner la terre. De mon temps, les enfants se jalousaient pour savoir qui hériterait. Aujourd'hui, c'est plus pareil. Tu irais mieux retourner au chantier. Correct. Je suis pas pour l'obliger.
Mais le Pérou a besoin d'un maître. Moi, je suis plus capable encore longtemps. Si tu le veux, il est à toi. J'avais quelques pièces à la banque, au cas où il aurait fallu acheter le billet à Rio. Maintenant, elle ne peut plus servir à rien. Je vais te payer un salaire avec, jusqu'à ce que tu sois capable de prendre le bien. Ensuite, on passera un contrat. Il suffira que tu nous donnes de quoi vivre, à mère et à moi. Que tu payes pour la popoule si elle veut étudier. Si vous vouliez le père, savez-vous ce qu'on fera? On achètera la terre de Rio pareil. Hein, juste à côté de la nôtre, avec sa machinerie, ça fera juste un beau bien. Cet automne, je retournerai au chantier. Je suis capable de faire assez d'argent pendant l'hiver pour rencontrer une échéance au printemps. Samir! Samir! Mon Dieu, Kiki, qu'est-ce qu'il y a, non? Il y a bien. Venez que je veux vous demander quelque chose. Vous allez me dire où c'est que vous voulez que je vous bâtisse votre petite maison. Comment ma petite maison? Le père me dit que je pourrais prendre le Pérou le printemps prochain. Vous avez toujours rêvé d'une petite maison. Il faudra se dépêcher à bâtir. Dis-moi pas que c'est mon Kiki, mon grand fou de Kiki, mon bébé des garçons qui va hériter. Oh non, moi je peux pas y croire. Mon Théo, il va falloir que tu te dépêches à te faire ordonner. S'il n'y a pas de prêtre pour prier pour le Pérou nuit et jour, tout le monde s'en va dans la dèche. Taquinez pas mon Kiki. Ça va faire un bon maître pour le Pérou.